Coucou les amis, bienvenue à Hollywood! Non mais carrément! Bonjour, bienvenue sur PP World pour le test de Blu-ray Disc d'un film qui a été primé aux Oscars 2019 pour ses meilleurs effets spéciaux. Il s'agit du film The First Man avec Ryan Gosling. On va en parler dans cette vidéo, il y a beaucoup de trucs à dire comme toujours. Est-ce que vraiment le Blu-ray Disc est aussi extraordinaire que tout le monde le dit? Ça y est, c'est avec moi dans l'espace. Avec des effets spéciaux à 2,55€ à peu près pour le test du Blu-ray disque Ultra HD de The First Man. Dans ce test, on va savoir comment a été tourné le film, un film tout à fait récent, mais qui a été réalisé avec des moyens de tournage un petit peu old school. Après, on saura ce qu'il y a sur le Blu-ray disque vendu en France. Et pour finir, bien sûr, les résultats audio vidéo de cette petite merveille ou pas, Fly Me to the Moon. Accrochez-vous. Comment le film a été tourné? Alors, il y a des gens qui vont être déçus, hein, parce qu'ils s'imaginent peut-être que en 2018, on tourne tous les films avec des caméras numériques 4K, 8K et autres. Eh bien, pas du tout. C'est un film totalement old school et c'est volontaire. On en parlera tout à l'heure. Le film a été tourné en super 16 mm, 16 mm carrément, du 35 mm et du 65 mm pour les scènes en IMAX. Donc trois formats différents. Il a été présenté en salle IMAX en 1.43 sur 1 ou bien en 1.90 sur 1. Il présenté également dans les salles de cinéma classiques en scope 2.39. Et le Blu-ray disque, vous allez voir tout à l'heure, ils ont fait une sorte de... Le film a été présenté dans les salles de cinéma en multicanal, soit en DTS, soit en Dolby Atmos, soit en Euro 3D, enfin bref, tout ce que vous voulez. On verra également ce qu'ils ont fait sur le Blu-ray disque vendu en France. Super important. Le film a en effet été tourné en 16 mm, 35 mm, 65 mm, mais attention au final. Tout a été rassemblé sur un master numérique 2K. Donc, ce Blu-ray Disc est un upscale du 2K vers l'Ultra HD. Alors, qu'y a-t-il sur le Blu-ray Disc Ultra HD vendu en France L'image, pour commencer, l'image est présentée en HDR10 ou Dolby Vision. Si vous n'avez ni un ni l'autre, c'est pas la mort. Vous aurez une belle image quand même ou pas. On verra ça tout à l'heure. Au niveau du format d'image, il y a deux formats qui sont présentés. Il y a le film qui est en Scope, une partie du film qui est en Scope, et l'autre partie qui est en IMAX. Donc, à un moment donné, vous n'allez plus à avoir de barre noire, tout simplement. Je vous dis pas quand, vous verrez quand vous regarderez le film. La compression vidéo, c'est bien sûr sur HEVC et concernant les pistes audio, voici ce qui se passe la VO est présentée en Dolby. Atmos, à partir d'une base Dolby 3 HD 7.1 canaux et la VF est présentée en Dolby Digital Plus 7.1 canaux. Je ne fais plus de commentaires. Ouah, les commentaires, ça sert plus à rien parce que je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'ai enlevé parce que j'en pouvais plus. J'allais crever là-dedans. Donc, euh, voilà. Bon, je reviens un petit peu avec dans l'espace, personne ne vous entend crier pour parler maintenant euh, de la qualité vidéo de ce Blu-ray Disc Ultra HD HDR10 Dolby Vision. Alors, vous allez être euh, peut-être déçus. Alors je vais vous dire pourquoi tout de suite. Parce qu'encore une fois, dans l'imaginaire, on s'imagine que les films récents, puisque c'est un film très récent, on me dit toujours que je teste des vieux films, et celui-ci, il est de 2018, on s'imagine dans l'imaginaire que tous les films récents ont une image absolument nickel, nettoyée et autres. Sauf que dans le cas présent, le réalisateur a choisi de donner à son film un look un peu vieillot, si je puis dire. En effet, la plupart des images sont filmées avec du 16 mm, donc on a beaucoup, beaucoup de grains. Sur les séquences euh, dans l'espace, dans la navette ou autre, on a beaucoup, beaucoup de grains. Il y a les scènes tournées en 35 mm, donc en cinémascope. Les un petit peu dans la maison avant qu'il aille dans l'espace et autres, donc on a du grain mais moins important. Il y a des scènes donc IMAX. Je vous dis pas quand, mais on va avoir trois textures d'images totalement différentes. Sur toutes les séquences tournées en 16 mm, donc avec le grain le plus important, on a en plus ajouté en post-production des petits points blancs, tout petits minuscules, comme si la pellicule était un petit peu vieille, un petit peu usée. Donc ça vous donner des images qui, en effet, en ultra HD, vous allez vous dire. Hein ah, <laughs> mais Pépé! D'ici, n'importe quoi! Donc, c'est purement un choix artistique sur vraiment, allez, je vais vous dire, 50 à 60% du film. Vous avez en effet une image qui est très, très granuleuse, avec ses petits points blancs, mais vraiment très, très fins. Hein. C'est pas non plus du crash de tous les côtés. Hein. Mais on sent immédiatement qu'on a voulu donner à ce film un aspect véridique d'époque, donc sur toutes les séquences, notamment dans la navette spatiale. Ça, c'est clair, c'est volontaire. On a voulu immerger le spectateur. Et en effet, le Blu-ray Disc Ultra HD vous donne exactement ce qu'on a voulu à la base. Il a touché à rien de ce côté-là. Donc une grande partie des images de ce Blu-ray disque, j'insiste là-dessus, sont des images qui sont granuleuses, avec une définition qui est assez moyenne globalement, très 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 euh, cinégénique, si je peux dire, très, très 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 cinéma, avec des tout petits points blancs que vous verrez ou vous verrez pas. Moi je l'ai vu sur un écran de 3 mètres, donc je les ai vus. Sinon, on les verra pas trop sur un téléviseur euh, d'une taille classique, avec euh, un étalonnage des couleurs quand même globalement assez sépia. Vraiment le côté old school. On a un film qui est old school, qui se retrouve sur un Blu-ray disque qui lui le retranscrit de la meilleure façon qui soit, avec une excellente compression. HEVC donc un excellent battement du grain qu'on voit très très bien il n'est pas brouillon le grain est très très fin il euh, n'y a pas de problème c'est très très bien compressé pour finir en effet il y a des scènes qui sont en Imax e mais avec également un peu de grain hein. il a gardé le grain sur les scènes en Imax e le réalisateur donc on a en effet un plein écran comme toujours les scènes en Imax e sont très très bonnes au niveau de la définition des couleurs et autres donc vous allez bien sûr regretter que tout le film soit pas en Imax e mais encore une fois il a mis l'Imax e à un moment particulier du film que vous verrez quand vous regarderez le film ce n'est pas arrivé n'importe comment dans le scénario, le rendu du noir est incroyable, un contraste de folie. Les scènes spatiales, c'est carrément de l'encre, tellement c'est beau. C'est fabuleusement bien contrasté. Je peux vous dire, moi, techniquement, en toute sincérité, comme toujours dans cette vidéo, il n'y a pas une différence fondamentale au niveau de la définition d'image ou de la colorimétrie entre le Blu-ray Disc Ultra HD et le Blu-ray Disc Full HD. Le HDR10 ou le Dolby Vision ajoute un petit truc en plus pour déboucher, pour dynamiser un petit peu, mais c'est pas non plus un fossé technique monstrueux. On part d'un master qui est 2K à la base, qui est très granuleux volontairement de la part du réalisateur. Par contre, vous savez que les scènes en IMAX de ce film sont meilleures sur le Blu-ray Disc Ultra HD qu'elles ne le sont sur le Blu-ray Disc Full HD. C'est mais c'est assez court. Vous faites pas une idée que ça dure 50 minutes. Hein. Les parties en IMAX sont courtes voilà le truc important également à savoir c'est que l'intégration des effets spéciaux est admirable c'est pour ça que le film a reçu justement un oscar des meilleurs effets spéciaux parce qu'on a intégré des effets spéciaux modernes dans une image qui est datée entre guillemets c'est sublime on s'y croirait on va parler de l'audio maintenant on va commencer par la vo en dolby atmos si vous n'avez pas de dolby atmos à la maison vous aurez la vo en dolby 3 hd 7.1 canaux ou bien en ce que vous avez il hein, n'y a pas de problème vous aurez du son dans tous les cas c'est important alors bien sûr euh, la vo en atmos ne pouvait pas être une vo qui était placée Acide. Ça allait bouger de tous les côtés et d'ailleurs à elle seule la scène d'ouverture mérite l'achat du Blu-ray disque. C'est absolument édifiant. C'est-à-dire qu'en effet il ne se passe rien au début euh, pendant le générique. À un moment donné vous prenez un truc dans la gueule, enfin dans les oreilles. C'est du délire complet. Ce que moi je retiens globalement de la, de la VO en Dolby Atmos, c'est le rendu du grave. Un rendu du grave hyper impressionnant. C'est incroyable. Je veux dire ça remue de tous les côtés sur toutes les voies parce qu'en effet le grave n'est pas que sur le frontal hein. Ils en ont mis partout. En effet, on a des vibrations comme ça euh, dans la navette, dans les essais qu'ils peuvent faire justement avec les pilotes et autres. C'est assez étonnant. Je retiens également des gros effets, des gros effets dans le surround. Notamment, il y a deux trois scènes, je peux pas vous dire, je vais pas vous spoiler le film. Il y a des scènes où, euh, où la navette se met à faire à prendre du roulis, c'est-à-dire à tourner sur elle-même et là, c'est absolument étonnant. Est vous êtes pris dedans, vous suffoquez. C'est carrément un hurlement de métal qu'on entend de tous les côtés. Les claustrophobes partiront en cours il y a deux trois scènes également dans la centrifugeuse qui sont très étonnantes techniquement au niveau du mixage audio. Ils sont parvenus à avoir la rotation en fin de compte de la centrifugeuse dans la section audio en même temps. C'est-à-dire qu'on bouge en même temps en audio, en atmos avec la centrifugeuse. C'est absolument dingue. C'est vraiment très très étonnant. C'est très très dynamique. Les décollages et autres, on s'en prend plein les oreilles. Il y a une belle retranscription des voix également. Les voix sont très très nettes, des petites ambiances. On a des petits bruits sympas quand on fixe comme ça les tuyaux euh, sur la combinaison. On entend vraiment distinctement. Euh, le, le bruit de, du tuyau qu'on tourne et autres c'est vraiment bien 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 fichu une excellente bande son que vous l'écoutiez euh, même en 3HD ou bien en Atmos vous aurez vraiment un excellent rendu audio faites attention aux subwoofer et aux boomer ça pulse beaucoup 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 la VF elle n'est pas mauvaise hein, la VF un hein, Dolby Digital Plus donc déjà un petit effort avec un débit, euh, débit numérique euh, supérieur évidemment elle n'a pas la force ni la puissance de la VO en Atmos qui est vraiment très 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 étonnante mais enfin elle fait un peu le boulot quand même, hein. c'est pas non plus la catastrophe incroyable, mais bien sûr, quand on switch d'une piste à l'autre, on se dit. On se dit voilà quoi. Voilà, je, je sais pas quoi vous dire d'autre, à un moment donné, vous savez, dans ces vidéos, je sais plus quoi vous dire. Malheureusement, euh, les VO restent supérieurs techniquement sur, tout, sur tous ces films, sur tous ces Blu-ray, et c'est fortement dommage, moi ça, ça m'ennuie beaucoup. Voilà, hop, je repars dans l'espace avec mon casque à 2,55, avec mes effets spéciaux. J'ai envie de déconner un petit peu avec vous. Je me dis, bon, c'est ma chaîne. Vous êtes habitués à mes folies. Donc voilà, une de plus, une de moins. Le ridicule ne tue pas. J'en suis la preuve vivante. Voilà, dans tous les cas, j'espère que ce petit test vous a plu. Désolé pour les reflets ici, mais j'ai pas trop trop le choix. Euh, mes petits loulous, j'y peux rien. Dans peu de temps, une vidéo importante va se pointer qui m'a déjà demandé 40 heures de montage. Les coulisses des Oscars à Hollywood avec plein de trucs incroyables avec Dolby et autres. Vous allez apprendre des trucs de folie et pénétrer carrément dans les coulisses où on voit la, la pose du tapis rouge et tout. C'est du délire complet. Je vous dis à très très vite sur PP World. Je vous remercie à nouveau d'être sur cette chaîne. Et je repars avec Frank Sinatra sur la Lune. Voilà. Fly me to the moon.